Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte pleine de romantisme et de douceur pour changer un petit peu. J'avais envie de faire une petite carte pour, je ne sais pas, pour les petites naissances ou un mariage, mais j'avais envie là de faire quelque chose de tout mignon mignon. Voilà, ce qui m'a inspiré ça, c'est ce bloc là. Ce bloc, il est trop mignon. Alors, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça y est, c'est pas parce que je me lance dans un petit truc tout mignon que vous êtes obligé de faire un truc comme ça. Vous pouvez y mettre des bébêtes, des araignées, des trucs horribles. Voilà. Vous ferez bien ce que vous voulez, d'accord? Mais moi, j'avais envie de faire une petite carte tout en douceur pour vous montrer mon petit côté comme ça, tout, tout mignon, mignon. Voilà. Donc, n'importe quoi. Bon, alors, donc. Pour faire cette petite carte, c'est tout ce que je fais, hein, je répète, je répète, je répète, ce sont pour les débutants, hein, parce que il faut très peu de matériel et ce sont des choses très très simples à réaliser, mais c'est hyper sympa parce qu'après, une fois qu'on a des bases très très simples, on peut les élaborer, on peut vraiment, voilà, après les faire. Quand on est un peu expert en plein de choses, on peut faire des fonds colorés soi-même, des tamponnages, du comment, de l'embossage à chaud, de l'embossage à froid, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est une base que vous pouvez améliorer si vous êtes, si vous n'êtes pas débutant. Ok? Bon, voilà, c'est tout. Hein, c'est ce que je voulais dire. Mais moi, je fais toujours les tutos. Bon, après. Quand les débutants ils m'auront suivi un peu, on commencera à élever le niveau, faire des choses peut-être un petit peu plus compliquées, genre album, voilà, junk ou je ne sais quoi, enfin avec des embossages, des trucs, des machins. Mais bon, déjà, il faut avoir le matériel, etc. Bon, voilà, ça coûte un peu. Moi, je sais que j'ai acheté au fur et à mesure, hein, parce que on a, voilà, hein, l'argent il tombe pas du ciel. Et donc, voilou. Enfin, tout ça pour dire qu'on va faire une petite chose simple, mais toute mignonne. Voilà. Donc, pour ce faire, alors moi, je vais utiliser ce joli bloc là. Je ne sais pas s'il est nouveau, ancien. Je crois qu'il est ancien, mais moi, je l'ai trouvé comme ça par hasard. Il était tout seul dans le rayon. Voilà, mais je crois qu'il est vieux. Mais bon, voilà, moi, je viens juste de le découvrir. Donc, je vais prendre ça pour faire une chose rose. Voilà. Et voilà. Et je vais l'agrémenter avec des petites images que j'ai dans ce petit bloc. Parce qu'il y a des petits lapinous, des petits souriceaux, des, je sais pas, des trucs tout mignons, mignons, mignons. Voilà, bon bref, vous avez compris qu'aujourd'hui je suis complètement dans le délire des. Voilà, du gna gna gna. Bon bref. Donc du coup, on va se faire trois carrés. Alors, le papier que vous voulez, hein, je répète. Donc il nous faudra trois carrés de 11 cm. Voilà. Nous allons faire ceci. Alors, moi, je vais prendre, je ne sais pas, comme d'habitude. J'ai dit que je voulais faire du rose, nanani, nanana. Mais voilà. Alors, je vais prendre ces petits pois-là. Alors, il est un peu foil. Il est magnifique, ce papier. Magnifique. Donc, je vais prendre dans les pois, là où il y a plus de pois. Donc, vous faites trois carrés de 11 sur 11. Vous choisissez vos papiers. Allez-y, c'est parti. Voilà. Moi, j'espère que vraiment vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Hein. Et puis, voilà. Alors, la carte là, elle peut être adaptée à d'autres formats. À vous de voir. Hein, là, c'est un petit format et vous l'adapterez. Vous ferez après avec des carrés du centimètre que vous voulez. D'accord? Bon, enfin, donc je vais prendre un carré comme ceci. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je mélange avec. Non, j'ai dit non, j'ai dit rose, c'est rose. Bon, voilà, c'est ça. Donc, hop, hop, hop. Tiens, ça, voilà, il me faut ça. Voilà. Alors, je vous dis pas encore les chutes que je vais avoir. Bon, bref. Comme d'habitude, c'est l'horreur. Et puis, voilà. Ça, c'est des jolies plumes. C'est pareil, en feuille. J'ai fait quoi? J'ai quand même pas trompé. Ouais, ça doit être ça. Bon, de toute façon, on verra bien. Et si je me suis trompée, comme d'habitude, on refera. Je ferai de plates excuses. Alors, parfois, quand je réponds à certains d'entre vous, moi, je suis pleine d'humour. Hein. Je ne veux jamais blesser personne. Attention, attention. Hein. Je plaisante tout le temps. Alors, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Hein, évidemment, à part si c'est méchant. Évidemment, si c'est méchant, là, je vais me transformer. Ah, c'est sûr. Mais sinon, non, non. Enfin, dites.
Moi, je retiens toutes vos idées, hein, même si des fois j'ai l'air de vous prendre de haut. Pas du tout, du tout, hein. Oula, c'est pas mon genre, d'accord? Il faut vraiment que ce soit simple entre nous, hein, que notre histoire soit simple. On s'attache, mais qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne, mais rien n'empêche. Tinaninaninana. Vous avez compris quoi, d'accord? Hein? Bon, c'est bien. Alors, donc, non, non, il faut surtout. Dans cette petite communauté, ne jamais se faire de mal. Bon, j'ai remarqué que j'ai de plus en plus de médailles de bronze. C'est une catastrophe. Je pense que chaque jour, je perds des abonnés. Ça me fait trop rire. Bah, quand j'en aurai plus, j'arrêterai de faire des tutos. Je mettrai à la retraite. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Personne n'est irremplaçable. Alors, quand on a nos trois carrés là, hein, moi j'ai pris du rose mais à fond, hein, je suis à fond dans le rose, hein, avec des petites plumes là parce que je vais mettre des petites plumes. Nous plions. Ah ouais, c'est côté blanc là, alors je sais pas ce que ça va donner, on sait rien. Bon, on verra bien. Donc, nous plions. Ah, je suis. Ah, j'aurais dû prendre le truc recto verso. Oh là 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 là, je suis déçue. Ah, oh, mince. J'ai pas fait gaffe qu'il n'était pas décoré des deux côtés. Bon, bah écoutez, tant pis. Donc, nous plions. Alors, essayez de prendre du papier décoré des deux côtés. Enfin, après, je pourrais le mater, hein. Si je vois que ça me plaît pas, je le materai. Ce n'est aucune. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça, hein. Je vais faire ça. Oui, je vais le mater. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, vous pliez, donc vous faites deux triangles, hein, d'accord? Vous pliez vos petits carrés. Comme ceci, d'accord? On s'en fiche, c'est un carré, donc vous pliez comme ceci ou comme ceci, ça donnera la même chose. Voilà, vous pliez. Évidemment, comme ça ne me plaît pas que ce soit blanc d'un côté, parce que quand je vais faire mes collages, bon, si je suis pas du bon côté, ben c'est un peu dommage, ce sera pas décoré et je ne veux pas. Voilà. Donc, nous allons donc mettre nos carrés comme ça. Bon, alors je vais refaire, je vais mater tout de suite. Alors, je vais mater avec quoi du coup? Parce que ce n'était pas prévu cette affaire. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui n'est pas prévu, c'est merveilleux, c'est fabuleux, c'est fantastique. Je vais mater avec des blocs. Là, on a trouvé des nouveaux blocs chez Action, bien sûr. Des nouveaux blocs fantastiques. Voilà, je ne sais pas lesquels j'utilise. Ah, c'est joli ça, tiens. Ah bah c'est bien ça. C'est doux, hein. Ouais, ça va bien avec ce que je vais faire. Allez, hop. Si j'en aurai assez, on verra. Donc, comme je veux mater, quand on mate, là j'ai dit 11 sur 11, donc je vais faire des carrés de 10. Alors, je vais faire 3 carrés de 10 sur 10. Alors, ah, bah zut! 10 sur 10. Voilà, en voilà un. Alors, nous allons. Alors on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. On s'en fiche. Donc, je vais faire un matage comme ça. Là. Je ne vais pas faire tous les mêmes matages. Oui, je sais, ça gâche du papier. Mais je m'en fous. Je l'utiliserai. Voilà. Quand je serai. Je ne sais pas d'ailleurs. Je ne sais rien. C'est catastrophe. Tiens, je vais prendre celui-là aussi. C'est très joli. Voilà. Une feuille comme ça. Un carré de 10 comme ça. Un carré de 10 comme ceci. On est combien là? Je sais même pas. Je sais pas quel jour on est. Je sais pas comment je vais. J'en sais rien. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un comme ça là. Voilà, ce sera très joli. Et un troisième. Un troisième. Un troisième. Un troisième. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Oh bah, me v'là bien. Oh bah, me v'là bien. Ah bah voilà. Ah bah voilà, c'est bien. Ça, les petits pois. Bah voilà, des petits pois. Alors, c'est bon les petits pois avec les lardons. C'est délicieux. Ça fait une éternité que j'en ai pas mangé, tiens. Des petits pois au lardon. Avec un petit pigeon, là, comme ça. Alors, les véganes, ils vont me détester. Moi, j'adore. Je mange tout, hein, attention. Hein. Tout. Je mange tout, 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 tout. Non, pas mon toutou. Je mange tout, mais pas le toutou. Complètement folle, Angélique, comme d'habitude. Elle dit n'importe quoi. Pourvu que ça mousse. Donc. Je fais mes petits collages pour les matages là parce que voilà, parce que je sais pas, je ne sais pas, je m'étais pas aperçu que c'était blanc, donc non, je ne veux pas que ce soit blanc. Zocazou. Donc hop hop hop. Vous faites, ben si vous êtes dans le même cas, vous faites ça, mais sinon si vous avez un papier décoré des deux côtés, ce n'est pas la peine de mater, vous l'aurez compris, hein. Ça c'est parce que, ben en plus,
J'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai fait 11 sur 11, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Franchement, n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Mais vous allez voir que même en faisant n'importe quoi, eh bien, ce n'est pas grave. Car en scrap, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis toujours? Il n'y a rien de grave. Voilà. Parce que celle-ci, je la mettrai au milieu. Voilà. Et puis, il faut toujours laisser le. C'est un signe. Ça veut dire que ça devait être comme ça. Voilà. Moi, je crois au signe. Voilà. Et celle-là, je la mettrai au milieu. Voilà. Bon, c'est pas fabuleux de faire comme je fais, hein. Il vaut mieux prendre du papier décoré déjà tout de suite des deux côtés, hein, d'accord? Ça, voilà, d'accord? Bon, je suis pas pleinement satisfaite, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour la démonstration et pour vous montrer que de toute façon, voilà, je répète, en scrap, rien grave. Voilà. Ah là là. Ensuite, comme ceci. Bon, voilà, ça va faire du n'importe quoi, comme d'habitude. Mais ça sera joli, hein. Attention, hein. Parce que je dis ça, je plaisante, machin, et je plaisante toujours qu'à moitié, hein. D'accord? Voilà. Parce qu'il faut du sérieux dans la déconnade. D'accord? Toujours, hein. Surtout, toujours, toujours, toujours. Alors, ça, celle-ci, parce que je ne sais pas ce que ça va donner, bien sûr, car je n'ai pas préparé. Comme d'habitude, j'aime bien être comme vous, avoir la surprise. Parce que sinon, je m'ennuie, moi, si j'ai pas de surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, les gens, il y a des gens hein, qui sont très organisés et tout ça. Attention, hein, attention, je ne critique jamais rien. Parce que chacun est comme il est, chacun a ses qualités, ses machins. Et alors, moi, je ne suis carrément pas organisée. C'est une catastrophe. Mais, à votre avis, je m'en fous. Ah, c'est ça! Mais par contre, ouais, bon, voilà, hein, les gens qui sont très organisés, ben, ils sont très organisés, et puis c'est tout, chacun est comme il est, enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Donc, du coup, alors, vous avez vos carrés, donc, vous avez vos carrés, vous n'avez pas besoin de mater, pas comme moi, hein, bien sûr, mais c'est pas grave. Donc, ça sera, a priori, l'intérieur. Donc, nous prenons nos carrés, comme ça, et on a fait des plis, comme ça, et donc, je veux que, comment dirais-je, que les plis soient comme ça, que ça fasse un triangle quand on plie. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous avez vos carrés, là, et vous les faites comme ça, voilà, j'essaie de vous expliquer comme... Vous voyez, c'est comme ça, et bien quand vous les dépliez, il faut que ce soit comme ça. Bon, voilà, c'est clair, mais il faut que ce soit comme ça. Bon, d'accord? Vous les mettez côte à côte, d'accord? Et vous prenez un autre, là, qui reste, c'est un troisième, voilà, plier, c'est très moche ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ceci, ça ne se verra pas. Hein. Et puis donc celui-ci, hein, celui-ci, c'est pareil, mais alors lui, il va être mis en biais. D'accord? Et donc nous allons le coller comme ceci, là-dessus. D'accord? D'accord? On va le coller comme ceci. Hein. Là, le pli, il est creux, c'est-à-dire vallé. Et les vallées aussi, les vallées, il est. Ah non, il faut. Attendez, je suis en train de faire une bêtise. Ah, je suis en train de faire une bêtise. Non, non, on s'en fiche, de toute façon, on s'en fout complètement, je crois. Je suis en train de regarder un truc. Hein. Je réfléchissionne. Donc, voilà, on va faire comme ceci. Moi, je vais faire comme ceci, c'est à cause des matages. Donc, vous collez. Et hop, on le fait. On le fait, on le fait. Voilà, on le fait. On va pas s'embêter. Donc on met de la colle comme ceci ou du double face. Alors pas sur tout le triangle. Attention, attention. Vous mettez comme ça sur la moitié. On va dire la moitié. Hein, d'accord? Je sais pas si c'est clair, mais vous faites comme ça. Voilà. Et là vous collez pointe à pointe, pointe à pointe. D'accord? Bon. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. D'accord. Bon. Et donc, non, mon Dieu. Et donc le troisième là, celui-là là, là, là. Eh bien, vous allez le coller comme ceci, pointe à pointe, comme ça. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Il faut que ce soit comme ça. Et la position, bon, vous voyez, vous avez compris. Bon, et, hein, voilà, ça donnerait ça. Oh, je ne suis pas dans le champ, Angélique. Donc, vous voyez, là, hop, voilà, il fallait que ce soit comme ça, hein. D'accord? Ok, il fallait que ce soit comme ça. Voilà. Et là, celui-ci, on va le coller comme ça par-dessus. Un au-dessus, un en dessous. Et celui-ci, il est en travers, vous voyez? Ah, oh, mince. Voilà. D'accord? Bon, voilà. Bon, vous faites ça. Allez, on fait ça. Donc là, pareil, moitié, hein, pas entièrement. De la colle sur la moitié. Pouf, pouf, pouf. Là, vous voyez, hop, là, pouf. Et là, vous collez sur le celui-là. Sur le celui-là. Et vous rejoignez pointe à pointe.
Voilà, comme ceci. Voilà, d'accord? Une fois que l'on a fait ceci, c'est terminé. Voilà. Alors, hop, donc, vous voyez, hein, d'accord? Ça fait ça. Oh là là, c'est magnifique, c'est joli, c'est sublime. Et donc, quand on plie, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a une pyramide, voilà. Alors, c'est, hop, comme ceci, comme ceci. Vous voyez? C'est voilà. Donc, maintenant, on va attacher pour que, pour qu'on puisse attacher, ok? Tout simplement, alors on va se mettre un petit nœud. C'est d'une simplicité extraordinaire. Moi, j'adore. On comprend un petit ruban. Alors, un ruban, moi, ce que vous voulez. Hein. Ce que vous voulez. Et on va fixer un petit ruban. Alors, ici. Alors, je vous montre. Donc, on a fait comme ça. D'accord? Hein, c'est vraiment super facile. Hein, vous voyez? Hein, comme ça, comme ça. Voilà. Et alors, donc, on a dit, pour fermer. Alors, vous fermez, vous fermez comme ça. Si vous fermez comme ça, vous voyez, quand, ça va se plier tout seul. Hein. C'est vraiment tout con, enfin tout bête, hein, pardon. Oh là là là. Vous mettez un petit ruban là. Vous voyez, hein, comme ça, hein, peut-être comme ça. Vous mettez un petit ruban sur celui-là, par exemple. Alors, je vais mettre un point de colle. Je mets de la colle machin, la colle chaude, moi. Vous pouvez mettre de la colle, comment dire, tissu et tout ça. Mais pourquoi moi je mets carrément. Ah, je me brûle. Ah, ah, je mets bouillante. Ah! Ah, ça y est. Ah, ah, ça fait très mal. Oulala, là là, oula. Oh la vache. Bon, vous faites pas comme moi. Vous vous ébouillantez pas, ça fait très très mal. Donc, vous mettez un petit bout de ruban là. Pourquoi je le mets directement comme ça? Parce que c'est très moche. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, je vais mettre une jolie perle par-dessus, vous allez voir. Je me suis ébouillantée, c'est horrible. Et ça, c'est hyper dangereux. Hein. C'est une catastrophe. Alors, un petit bout de ruban là et un petit bout de ruban ici. Alors, il n'y a pas besoin de 3 mètres, hein, vous avez vu. Alors, je vais prendre un ciseau qui coupe. Oh la vache. Je souffre. Ah, j'ai mal. Ah, ah, c'est horrible. Mon Dieu. Alors, donc, je vais couper un bout de ruban comme ceci pour pouvoir faire un joli nœud. Hein. Et puis l'autre, donc quand vous fermez comme ça, vous vous dites, bah, mon nœud, je le veux là. Alors, essayez d'être... Hein, d'accord, vous avez compris. Bon, alors, je vais essayer de ne pas me rébouillanter en direct. Hein, hein. Je vous jure, hein, il va falloir que j'éteigne le feu. Hein. Je me suis brûlée au 3e degré. Putain, je vais être en accident de travail. Alors, tac et tac. Et tac. D'accord? Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, il faut faire comme ça si vous voulez que ce soit fermé. Donc, oh, j'ai peur, j'ai trop mal. Je souffle à Bobo Didi. Ah là, j'ai mal. Non, c'est horrible. Ah, j'ai trop mal. Ah, je continue à travailler pour vous, mais... Ah, je souffre. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? On va cacher cette horreur, hein, parce que vous voyez, c'est très, très moche. Hein, voilà, c'est très, très moche. Voilà, hop. Et donc, moi, je vais dissimuler cette chose avec des pierres. Hein, des pierres précieuses. Hein, très, très précieuses. Voilà. Par exemple, hein, celle-ci, elle me plaît pas vraiment. Je vais lui mettre un peu de ça, moi, tiens. Hein, c'est peut-être pas assez gros, ça. Parce que mon ruban, il est énorme. Évidemment, j'ai pris un ruban énorme. Mais je vais mettre ça, moi. Alors, attendez, je réfléchis. Hein. Non, je vais mettre ça, ces super diamants-là. Alors, je vais encore m'ébouillanter. Non, mais j'ai peur du coup maintenant. Je suis pas bien. J'ai mal. J'ai très très mal. J'aurais dû me mettre en pause et puis aller me soigner, vous voyez. Mais bon, je souffrirai, tant pis. Voilà, hop. Vous voyez, oh, c'est sublime. C'est sublime. Et là, donc, je bloque mon petit ruban. Pouf, pouf. Ah, c'est bien ça pour les petits débutants. Une petite carte template comme ça. Il n'y a pas besoin de matériel énorme, hein. Allez, du papier et de la colle. Voilà, de la colle qui ne brûle pas. Et puis, voilà. Alors, je vais couper... alors, c'est à vous de voir le ruban, ce que vous voulez. Hein, 3 mètres, 10 mètres. Hein, vous voyez, ça ne coupe pas non plus. Oui, je sais, j'ai beaucoup de problèmes avec mes trucs. Il va falloir fraîchement que je me... Alors là, je vais brûler les petits bouts pour faire propre. Ah, ça me fait mal. Oh, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Bon, maintenant, le briquet, hein, après le truc. Alors, vous voyez, hop, hop, et là, je fais un joli petit nœud. Oh, c'est sublime. C'est sublime. Voilà, hop, hop, un petit nœud. Voilà. Alors, j'en ai mis... alors, d'habitude, j'en mets 3 mètres. Donc, j'en ai toujours trop long. Et là, j'ai presque limite, j'en ai pas assez, quoi. Bon, évidemment. De toute façon, il y a toujours... Je fais toujours des bêtises. Toujours. Je ne peux pas m'empêcher.
Non, parce que je voulais pas qu'il y en ait 3 mètres quand même. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Alors, hop! Voilà. C'est très joli le rose. Moi, j'adore le rose. Le rose et le mauve. Alors, mes couleurs préférées, c'est le rose. Alors là, évidemment, évidemment, j'en ai. Non, c'était bien. Non, c'était bien là. La dimension, c'était bien, sauf que là, c'est pas. Hop, donc, on va couper là. Pour faire un peu égal. Je rebrûle. Pas mon doigt, mais le ruban. Là. Oh, bah, c'était tout joli, ça, pour l'instant. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, donc, je vais décorer. Alors, je vais décorer ici, moi. On décore où on veut. Hein. Alors, après, là, on décore. Parce que c'est fini. Hein. Alors, moi, mon papier, il était à plume. Donc, je vais mettre une jolie plume, là. Là, j'avais envie. Hein. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Bon, hein. Alors, je vais mettre une jolie plume, là, comme ceci. Ou comme ceci. Oh, c'est beau. Oh, oh c'est magnifique. Ouais. Alors, attendez. Parce que quand on déplie pour mettre dans l'enveloppe... Hein, oh, c'est beau. Puis à l'intérieur, on peut mettre un petit mot, des machins, des trucs. Vous voyez, vous pliez comme ça. Hein, ou vous pliez comme ça. Alors, attendez. Vous pliez comme ça, et ça rentre dans une enveloppe, je ne sais pas. J'ai pas regardé, en fait. Je pense que ça rentre dans une enveloppe, on ne sait rien. Je ne sais pas. Alors, si on plie comme ça et comme ça, hein, bah si, ou alors, faut tout plier. Mais alors, le problème, c'est que ça rentre dans une enveloppe tout à fait standard. Bof. Non, il faut une enveloppe. Alors, je dis maintenant parce que. Alors, les fameuses enveloppes. Est-ce que c'est bien ça? Ben, moi, j'aime bien ce format-là. Ce fameux format-là. Là, comme ça, on peut tu sais, si on est généreux en déco, ben, ça rentre facilement dans ces enveloppes-là. Hein, d'accord? Alors, c'est les fameuses enveloppes dimension. On trouve ça, je sais pas, pareil, chez Action, je crois. Hein. 162-229. Hein, 162-229. Dans ces enveloppes-là, c'est pas mal. Hein. On peut mettre plus de choses plus grandes, plus chargées. D'accord? À vous de voir. Bon, je sais pas. C'est juste pour vous dire quoi. Alors, donc, je vais donc décorer ma petite carte pyramide. Alors, j'espère que j'ai, ouais, j'ai tout bien collé. Donc, je recommence, je referme. Hein, voilà, je referme. Je me suis brûlée au troisième degré, c'est vrai. Voilà, hop. C'est vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Bref, hop. Je suis pas très douée avec les nœuds, hein. C'est une catastrophe. Je sais plus qui c'est qui m'a demandé pour les nœuds. Elle m'a regardé faire les nœuds, elle a dit oh, ben, c'est pas étonnant que j'arrive pas à les faire avec sa formation. Elle est nulle pour faire les nœuds. Alors, donc, je vais mettre. J'avais envie de mettre des vraies plumes. Enfin, des vraies plumes. Ouais, vous m'avez compris quoi. Je vais juste la raccourcir un petit peu. Je vais faire quelque chose de très doux. De très très doux. Je voulais mélanger du papier et des vraies plumes, mais je sais pas. Du coup, j'ai un doute. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais laisser le papier. Alors, je ne sais pas. Je ne crois pas. Et je reste plantée là. Une petite plume comme ceci. Je vais mettre, je ne sais pas. Alors évidemment, vous ne décorez pas là où vous fermez. Hein. Enfin, je veux dire, vous voyez, parce que si vous me décorez là, en vrai, c'est ce que je veux dire. Vous pouvez décorer partout, hein, c'est pas le problème. Hein. Décorer partout où vous avez envie. Alors, je ne sais pas si je vais mettre des vraies plumes du coup. Je voulais mettre des vraies plumes, mais. Enfin, des vraies, vous avez compris quoi. Bah non. Finalement, j'ai sorti mes plumes, là, j'ai fait des dailles, des découpes, mais pour rien, comme d'habitude. Bon, ce n'est pas grave, je vais faire comme ceci, moi. Là, je vais mettre une petite perle. Une petite perle rose. Voilà, voilà. Ça fait peut-être trop rose, mais c'était le but. Donc, voilà. Donc, vous prenez de la colle moins violente que moi, comme d'habitude. Je vous dis ce qu'il faut faire, mais faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais, hein. Là, donc la perle, elle est barrée. Oh là, mon Dieu. Là. Je vais mettre une petite perle comme ceci, si elle veut bien. Bon, j'aurais dû décorer à plat, hein, mais bon, comme d'habitude, quoi. Voilà, je fais tout et n'importe quoi. Vous voyez, une petite plume comme ceci avec une petite perle. Ensuite, j'ai de la plume partout. Hein. Voilà, c'est l'horreur. Oh, mon Dieu, ça vole de partout. Ensuite, je vais faire un petit découpe. Ah bah non, mais j'avais sorti ce die là, je l'avais acheté chez... Il est magnifique ce die là, magnifique, c'est un die de cœur, j'avais trouvé chez Rose. Mais non, j'avais dit que j'utilisais mes trucs là.
Alors, pouf, ça fait combien de minutes? 25 minutes pour faire ça. Ouais, bon, bah, il faut ça, hein, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que je vais y mettre? Oh, c'était tout mignon. Franchement, c'est trop adorable, ces petits trucs. Il est très mignon, ce petit bloc. Mais je sais. Ah, oh, c'est tout mignon, ça. Oh, j'adore. Oui, c'est tout mignon. On peut faire plein de jolies choses, hein. C'est adorable. Adorable. Tiens, on va mettre un petit mot du genre love, love. J'en avais pas sorti un, là. Un bon. Ah bon? Bon, bah, c'est pas grave. Je vais mettre celui-là. Rose, bien sûr, encore rose. Hein. Ouais, vous allez avoir une overdose de rose avec moi, mais bon. Bah, comme ça, vous ferez autre chose si vous avez une overdose. C'est peut-être pour plus mal. Bon, alors, hop, donc je vais mettre love là. C'est vrai que rose sur rose, c'est peut-être un peu exagéré, Angélique. Mais j'avais pas sorti un truc, voilà. Mais si, Angélique, enfin, bah voilà. Oh, je te jure. Alors, en 3D, tiens, je vais mettre en 3D. Voilà. Oh, j'espère que j'ai été assez claire. Elle est assez simple hein, à faire cette petite cartounette. Hein, et puis alors, vous la déclinez à volonté dans tous les. Oh, moi, compris quoi. Dans tous les. Voilà. Hein, d'accord. Regardez comme c'est joli. Le toc. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il y avait un joli. C'est pour utiliser ces blocs-là. Hein, parce que je désespère de m'en servir sinon. C'est horrible. Non mais je désespère, hein, je vous jure. Il faut vraiment s'en servir. Hein. Et puis là, je vais mettre un petit papillon. Ah bah tiens, celui-là, il est magnifique. Oh, ce cœur. Non, je vais mettre ce cœur. Oh, je ne sais plus quoi mettre. J'ai tellement envie de tout mettre. Ah bien. Tiens, je vais mettre ce cœur là. Oh, c'est trop joli. Allez, hop. Je mets ça, donc, en 3D aussi. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Tiens, j'ai aussi un petit papillon qui traîne, l'argenté. Ah oh, bah tiens, je vais le mettre aussi. Je vais le mettre sur le cœur. Oh, ça va être sublime. Ouais, je sais, je m'émerveille de tout. Bah oui, bah ouais, la vie est belle. Allez, hop. Donc, je vais mettre un petit cœur comme ceci. Regardez. Toc. Et là, je vais coller un petit découpe de papillon argenté. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est sublime. Voilà. Alors, si j'arrive, hein, bien sûr. Hop, voilà. Sans m'ébouillanter. Ah non, mais c'est horrible. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Donc, je vais mettre mon petit papillon comme ça sur le cœur. Avec une petite perle pour y faire le petit corps. Son petit corps. Moi, j'aime bien faire un petit corps en papillon. Ah, bah tiens, il est beau. Oh, c'est trop beau. Voilà, c'est pour vous montrer que je sais faire des jolies. Je sais faire des jolies choses. Non, je ne fais rien du tout. C'est des collages. Je veux juste montrer aux débutants que vous pouvez faire des magnifiques choses avec eux. Avec très. Avec. Sans matériel. C'est ça surtout que je veux vous prouver. D'accord? J'espère que je réussis. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, parce que ça fait trop de minutes pour faire une petite cartouche, je trouve. Voilà. Alors, j'espère. Regardez comme c'est beau. C'est très beau. C'est du love pour vous. Voyez? Hop, hop. Là, c'est la petite fermeture avec le petit ruban rose. Ah, vous pouvez continuer à décorer. Hein, d'accord? Vous avez compris. Hein, décorer comme vous voulez. Voilà. Ma petite carte love for you. Hein, avec, bah, je vous dis, à volonté ce que vous faites. Et puis, donc, pour la mettre dans l'enveloppe. Et eh bien, vous la dépliez. Alors, voilà, dépliez. Et puis, vous la mettez comme ceci. Vous la mettez dans une enveloppe format, je vous ai dit. Et puis, c'est tout. C'est fini. Alors, à l'intérieur, hein, d'accord? Vous pouvez mettre des petits mots, votre petit mot. Ben, ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même faire des mini pochettes pour y mettre des choses à l'intérieur. Des petites. Hein, vous faites une petite pochette comme ça, genre, tiens. Oh, ben, ça y est. Hein, ça m'a déclenché encore un truc. Hein, c'est horrible. Hein. Non, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut. On peut même y mettre des petits papillons, les rajouter des trucs, des machins. Vous avez compris? Bon, voilà, c'est tout. Hop, je sais pas, moi. Moi, vous avez compris, quoi. Vous rajoutez des petits trucs, là. Soit vous faites des petites pochettes pour y glisser un cadeau, un billet, un billet, ou je ne sais quoi. Vous voyez? Des petits tags. D'accord? Bon. Ou alors, vous voyez. Parce qu'à l'intérieur, vous voyez, ça ne gêne pas si vous mettez des choses. Hein? D'accord? Bon. Et ben voilà. Voilà. Hop, je ferme. Et puis c'est tout. Moi je trouve ça très adorable. Voilà. Là, voilà. Hop. Voilà. Mes plumes, elles s'envolent. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tout plein de belles choses. En attendant le prochain tuto, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous et à bientôt.